Ah, voilà, chers compatriotes, excusez pour le retard. Alors, c'est une alerte. C'est une alerte de Israël Mutombo. Il demande à tous les Congolais de prendre ça au sérieux, de partager, de relayer. Et voilà, je vais vous en montrer. Un extrait vidéo de sa part, il dit, il confirme, il en a la preuve, que le 4 décembre, trois leaders politiques qui sont encore sur le territoire congolais, ils ne sont pas encore sortis, se sont réunis avec d'autres le 4 décembre. Le 4 décembre, certains n'étaient pas là, ils avaient envoyé leurs délégués. Ils doivent tuer des gens, commettre un massacre à Kinshasa à partir de 2 h du matin pour mettre à mal la victoire de Félix Tshisekedi avant sa prestation de serment. Ils pensent que ce sera le 17, le 18, le 19. Le jour, ces jours-là précédant la prestation de serment. Bon, vous vous rappelez, le président a reçu aujourd'hui une lettre de la Cour constitutionnelle, une notification lui permettant de prêter serment le dimanche et le samedi, le 20 janvier 2024. À partir de 9 h. Voilà, chers compatriotes, il dit que ce n'est pas une prophétie, il dit que c'est une information. Il en est sûr et certain. Et si on lui demande des noms, il va donner ces noms-là. Et si les autorités veulent bien le consulter, il va donner tous les détails. Alors, vous savez, il y a un dicton qui dit que quand on a déjà dénoncé ce genre de complot, le complot est déjà affaibli. Mais partageons, partageons, relayons tout pour affaiblir ces ennemis de la République qui ne sont pas contents d'avoir perdu, qui ne sont pas contents de voir le président de la République rempiler pour le deuxième mandat. Voilà, chers compatriotes, faisons tout pour les en empêcher. Voilà, je vous montre la vidéo. Là où Israël Mutombo est en train de parler, il est sérieux, il ne blague pas, il ne rigole pas. C'est pour ça, moi aussi, je publie ça tardivement, désolé, mais je me sens obligé de le faire parce qu'il ne faut pas de retard en matière d'alerte terrorisme. Ils veulent terroriser la population de Kinshasa. Tuer des gens, tuer des vies humaines, éliminer des vies humaines à 2 h du matin, alors tout le monde va se réveiller dans la peur. Voilà, regardez, c'est où? Attendez, je vous balance.
Je vous balance la vidéo. Elle est où? Je la cherche. Elle est là, la vidéo. Pour Bayeba, comment nous pouvons dévier le complot de l'ennemi? Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une stratégie. Oyo bato basali pour que va déstabiliser Mboka. Une grande réunion et salama qui les quatre et salami awa na gombe na se passe. Basali réunion wana na yebi bato ba participer na kata réunion. Il y a eu trois leaders politiques basali awa sur place. Babimi na noté. Misusu basali banda mais basali qui représentait na bato na bango. Ils ont pris part dans cette réunion. Ba discuter. Comment bakoki ko sala baksio ya makasi sur terrain oyo ekoki ko susciter désordre na kati ya mboka nazo pesé ba mon makambo na zoloba et je sais de quoi je parle ba sali réunion na bango ba eko constater que ko bimisa batu na balabala ezali très difficile pour des raisons x ou y. Est-ce que ça problème il y a stratégie parce que mbongo bazangi te mbongo bazanango. Mais kobimi sabatu na balabala ezo zala très difficile la contexte to zalango lelo. Balingi ba déclarer férié na mboka ou ville morte to ba ville morte. Balingi ba tia ville morte na mboka. Mais place soit pe ba étudier na carte ya réunion ango que par rapport à ville morte et koki ko zala paix difficile. Et ça impossible était. Mais réussite n'a pas un faible pourcentage. Naïebi ba combo ya bateau ba participant na na zolo ba biloko ezali vérifiable. Ba combo ya bateau ba prenagi par na kati ya réunion. Et ça la magi na se passe awa na gombe et ça la magi le 4 janvier. Ba sali réunion na bango. Quelle est la dernière stratégie bazui? Ba décider ba boma bateau. Ba boma ndenge nini? Le 17 les 18, na les 19, 3 jours. Il faut ma service va surveiller. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne blague pas. Je ne fais pas la chorale ici. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Et Zandotote, c'est une réalité. La réunion a eu lieu, les 4. Na se passe. Na se passe ça. 17, 18, 19. Balimbasala, une opération à sabotage Yakobo Mabatu. Entre 2h, 3h à 4h du matin. Poto ba nomona bibembe na bakoin. Bola mugi na tongo bomoni ebembe. Bato ba banda ko banga ko bima. Les 16, les 17, les 18, les 19. Interprétez, dites tout ce que vous voulez. Na yebi makamunaza koloba. Je connais les noms des personnes. Peu importe taille, tout ce qu'ils font, ils sont. Moi, ça m'est égal. Ce que je vous dis, je suis sérieux. Ce sont des informations vérifiables. Et si les services m'invitent, je donnerai les noms des personnes. Mbongo oyo batie pour cette opération, c'est à $200 000. Ce qui m'a kambouta mbola ki malamu, lobby et le cas qui mbongo wana il fallait koma. Mais nous avons suivi les traces mbongo et comité lobby. Probable mbongo et koma, d'ici tout koma week-end, $200 000. Batoubazo exécuté yango. Il y a quelques politiques proches na bango mais baza ba soda ya kala ba prena ki pe par na kati ya réunion wana bazola ki bango effectif ya police bazola ki bango effectif ya armée ba disposition les limites ya notre police bango ba toyer bango na appui pour leur expliquer ça ba roboma ba tu na tongo entre 2h 3h 4h na ba quartier musu ba tu ba ko la mungana tongo ba kuti bibembe et ko créer somme les gens auront du mal à sortir. Et surtout que Zali, la veille, il y a investiture, il y a Tshisekedi qui prête serment pour la seconde fois, il y a élection le 20 décembre, le 20 janvier, dans le stade des martyrs. Nazana Makambakobangi Sabatoute, Nazako Lubayangote pour faire du mal à un camp politique, mais Nazolo Banabino aux en opposition à la majorité, moi je m'en fous. Ah oui, Zali Kambouya Mboka, Batouba comploté pour que Batia désordre dans Mboka. Pour Babo, ma frère, Nabango, ba Congolais. Réunion Salamaki, les quatre, Nazo, rappelé, Zagi, na se passe. Batouba Zalagi, na quatre, réunion, na yebi bango. Ba politicien, Awa, na Kinshasa, mi balé, ya minene, ba prena ki part. Oyo, misusu, ba tikali, Nambou, ba na poto, Nambou, Zali, awa. Ils ont été représentés. Na bato, ba représenté, ki bango, na yebi, ba kombo, na bango. L'État
bas service, bas ou information au sérieux. Bon, moi, na ilo mou sou sou na ben information. Na yo ki audio mou sou ezo tambola. Mouzo ko fi moko ba enleve ye. O ba enlevema ezongi. Ezali pe moko ya ba stratégie ba arreta ki na kati ya réunion. Ya ba enlevema. Mou sou sou ezo enlevema ya loukouta. Mou sou ezo enlevema ya solo. Me pou na ko kreye psychose. Po ba touba banga. Ba li ba kreye terreur. Po na bango. Nenge l'élection est salami et que ça la 3 mois, 6 mois. Il y aura du feu ici à Kinshasa et dans le pays. Et il doit y avoir un dialogue pour arranger les choses. Nazolo Bamakambo est allé vérifiable. Je le répète et je m'assume. Les choses vérifiables. Bonjour à ma disposition. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une analyse. C'est une information. La réunion a eu lieu les 4 pour mettre la capitale Ezala en feu. Et ce sont des politiques qui ont organisé cette réunion. Aucun journaliste n'a pris part dans cette réunion. Ma politique, on va représenter ma leader Nabango et deux autres leaders sur place ici. Le montant pour cette opération, la première partie, est de 200 000 dollars pour des jeunes qui doivent exécuter l'opération. Pour terminer cette petite mise au point, Baléopard, Kanezo Bandalé. Voilà, chers compatriotes, Israël Moutombo, c'était un poids lourd de l'information. C'est un journaliste très connu quand il parle comme ça, avec conviction. Prenons les choses au sérieux. Nous devons sauver notre président. Nous devons sauver le champion de la souveraineté. La souveraineté du Congo, c'est comme si c'était une nouvelle indépendance que nous sommes en train d'acquérir, une indépendance économique, une indépendance qui nous permet de nous faire respecter, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas perdre notre président à cause des aigris, à cause... des inconscients qui ne veulent pas accepter leur défaite. Des inconscients qui se croient tout permis par la voie démocratique. Ils ne parviennent pas à leur fin. Ils veulent utiliser la force. Le terrorisme, ça c'est du terrorisme. Il faut les arrêter. Il faut les rechercher et les arrêter. Voilà, chers compatriotes, c'était juste un flash informatif, une alerte. Quand les compatriotes alertent, nous alertons aussi. Et si parmi vous, les compatriotes, il y en a qui ont des informations, les numéros de téléphone sont là, envoyez-nous des messages ou de courtes vidéos pour que nous puissions divulguer afin de dissuader ceux qui veulent perpétrer des actes terroristes dans le pays. Là-dessus, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et au revoir jusqu'à la prochaine émission. Chers compatriotes.